Hey, bonsoir à tous. Et bienvenue pour l'épisode 15 de notre let's play sur plantes versus zombies. Je tourne juste quelques secondes après l'autre. Et après ça, je vais me prendre un bon verre d'eau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour me faire rager? C'est parti. J'ai peur, maman. Putain, non, mais t'es sérieux? Attends, zombie, perdu. Et va te faire. J'ai mis un peu trop de cum en avant, mais je m'en fous. C'est bon, vous me saoulez, là. Ça sera pas symétrique, mais je m'en fous. Bah, vous inquiétez pas, quand on aura plein d'élixirs, regardez, attention, qu'est-ce que ça va faire? Paf! Eh oui, c'est une mutation génétique des tournesols. Non. En fait, c'est les tournesols, ils sont ensemble en double tournesol et ils font deux fois plus de soleil. Voilà, je crois que je l'avais dit dans un autre épisode. Donc là, je vais protéger ma 7 noix. Ça sera Robert Lanois. Voilà, Robert Lanois, c'est magique. C'est, alors, les noix, je les mets direct parce que là, ils vont. Il faut les chérir, les noix. Robert Lanois, quoi. Non, non, je vais pas refaire comme Michel, genre miniature que sur Michel, non, 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 c'est mort. Mais regardez, il y a beaucoup plus de zombies qui arrivent plus vite hein, maintenant. Les mecs, au début, c'était grave facile, il y en a, ils me disaient, ouais, facile ce let's play. Mais non, détrompez-vous, c'est un let's play plus dur que je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je sais même pas le 2 comment il va ressembler, quoi. C'est pas symétrique, mais on s'en tape. Enfin, je sais pas si vous vous en tapez. J'ai violé une fourmi. Avec juste un seul doigt. Tic, 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 tic. Enfin, je l'ai tué, quoi. Non, 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 les zombies dauphins, non. Venez pas maintenant, s'il vous plaît, j'ai pas encore mis les trucs. Putain, avec... Hey, on dirait qu'à ma boîte, je suis en mode... Allez, pitié, gna gna gna. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Non, 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 c'est mort, hein. Vous pouvez pas ce nénuphar, il va abriter notre héros. Bah tiens, des perches, vous servez plus à rien. J'ai fini au sol, mais c'est pas au sol que ça va servir, c'est surtout. Et je pense qu'on a des zombies, les zombies à perche, les dauphins machin, tout le bazar. Et du coup, les grandes noix, elles sont plus résistantes que les noix normales. Avant de faire des trucs, avant de rendre tout symétrique, je veux juste finir cette rangée de noix sauveuses. Parce que là, je... Il y a des pommes qui tombent, ça fait des bruits sur les feuilles mortes, et du coup j'ai eu peur, je crois qu'il y avait un mec qui était dans mon jardin. Bref. C'est cool avec les doubles tournesols, on a plus de soleil, on est tranquille et tout. Tranquille détendu. Ouh! Oh my goodness. Alors avant, ce let's play, quand je faisais mes épisodes, je pense que vous le sentez à ma voix, genre vous l'avez senti à ma voix et tout. Senti ou sentu? Je crois que j'ai dit sentu, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que vous... avait senti ma voix quand je faisais mes épisodes, les premiers épisodes, quoi. Ça veut dire du 1 au 10e, j'étais tranquille. Voilà, j'étais en air tranquille. Mais, dès le dernier épisode, bon, c'était pas du 1 jusqu'au 10e, mais vous avez compris. Dès le 14e, en fait, je me perds dans les chiffres, mais... L'appel! Non, l'appel, tu vas pas me saouler, là. Tiens, voilà. Merci Robert Lanois. Tu seras peut-être même pas dans le titre. Coucou les dauphins. Bah maintenant vous êtes que des zombies nuls. Tiens, les dents, t'as... Allez. Ha ha, tu peux pas passer au-dessus. Ha ha. Allez, tiens, dans ta tronche. Ouais, je crois que c'est dans le top... Ouais. Je pense que... Il est dans le top 5 des zombies, les pires zombies. Enfin, dans mon top 5 des pires zombies. Du coup, ouais, les doubles tournesols, ils ont un temps de recharge extrêmement long. C'est pas très long, c'est très lent, extrêmement lent.
Ces noix, c'est des sauveurs. Enfin, je sais pas si on dit sauveur ou sauveuse. Une noix, ouais, des sauveuses. Vous allez tous mourir. Du coup, c'est pour ça que... Ah tiens, la voiture, bah tiens, voilà. J'espère pas qu'ils vont en mettre plein d'un coup. Pile quand je dis ça, ils en mettent plein. Oh, je suis dans le mal, là. Je suis dans le mal. Parce que, ouais, ils étaient sur toutes les portes, hein, je vous ai dit. Hein. Tiens, je mets la blinde de trucs sur l'eau. Tiens, j'allais mettre une noix à la place de mettre une ortie, vous imaginez. Bon, je les garde au cas où, hein. What? Il y a une petite araignée. Et je crois que c'est une araignée qui pique fort parce qu'elle est jaune. Un peu transparente, on dirait. Voilà. Oh, j'ai une ligne de double sel. Je sais qu'il y a un achievement, c'est de faire deux lignes de double soleil. Voilà. Tout est en deux, double, tout ça. Ça, c'est cool. Ça. Heureusement qu'on a les orties. Hein. Oh, ils m'ont saoulé là. Après, je retourne sur mon beau banc. Tranquille. Donc là, je ferai pas tous mes épisodes dans le banc. Là, je suis dans un petit truc. Et je pense que le prochain épisode, je le ferai sur le banc. Tranquille. Ouais, donc il y en a une, c'est faire deux lignes de double soleil, j'ai réussi à le faire le challenge. C'était pas là, hein, bien sûr, mais... Enfin, sinon vous l'avez vu. Vous avez compris. Dernier niveau de ce monde. Ouais. Voilà attentivement ce que nous dit les petits zombies. Vous allez trouver une note. Je crois qu'il est très dur ce niveau, je crois. Bonjour, il paraît que vous faites une piscine partie. Enfin, une bisine partie. Enfin, vous avez compris. Une piscine partie. C'est cool. A tout de suite. Bien à vous, les zombies. Donc, une piscine partie. Ah, vous allez voir. Le pire, c'est qu'après, vous inquiétez pas. Ils vont fusionner ce monde horrible avec d'autres trucs. Donc, vous voyez le petit râteau. Donc, le zombie va arriver là. Et je vais pas faire d'erreur. Ah, ouais, mais c'est vrai, il n'y a pas de. Et ça marche même avec les derniers niveaux et les mondes dominés. Ça se trouve bien. Désolé pour le tracteur qui vient de passer. Je vous laisse profiter de la musique. Première erreur. Je veux pas mourir sur ce niveau. Je veux pas. C'est mort. Déjà la péno, bien le mot. Voilà. Ça veut dire que c'est du gâchis. Oui, c'est du gâchis. Donc là, on va utiliser que les triples pistons, quoi, je pense. Faut tous les utiliser dans l'eau. Parce qu'il y aura là, il y aura ces dauphins de merde là. Je crois que c'est pas symétrique, mais je m'en fous. C'est bon, j'en ai marre. Ouh enfin, c'est juste que c'est pour la survie quand vous voulez voir un mec faire que des game over. Ou un mec faire des trucs symétriques enfin non vous... Est-ce que vous voulez voir un mec réussir et avancer vite et tout vite et enfin à la fois vite et lent enfin bref avec une vitesse optimale tranquille tout ça sans faire de trucs symétriques on voit un mec faire des trucs symétriques et beaux mais tout en faisant que des game over et en genre en mode 3 épisodes il fait qu'un niveau par contre toi tu vas pas me saouler. Vous inquiétez pas, j'aime toujours faire ce let's play, mais maintenant je suis beaucoup plus en mode inquiet. Hein. Ah, je comprends, il faut le rapprocher à mort, c'est pour ça. Donc maintenant je sais quoi faire. Vous inquiétez pas, on va les visionner. C'est zombie de merde. Ouais, quand j'avais dit qu'il comment dire, utiliser tous les trucs qu'on a eu, non. Il y a des exceptions. Et à un moment dans l'épisode 5 de ce monde, il y avait ça, genre ils utilisaient que les pistes au poids. Ah, je dis, ah, c'est normal, c'est un niveau bonus. Bah, non, mec. Ils vont ça beaucoup de fois. Ah, je suis con d'avoir supprimé le truc de feu, mais ouais, de toute façon, j'ai fait un mauvais dépassement.
Voilà. Là, c'est symétrique. Mais c'est pas fini. Oh là là. Je vais exprès, hein, attention. C'est bon. Crevez tous. Ils vont tous mourir. Dès qu'il fait un truc, paf, ça fait des dégâts. C'est parti. Ils vont tous mourir. Désolé pour le camion que vous entendez. Regardez comment ils meurent. Ils vont mourir comme des... Je vais changer de place parce que là, bon, là on est encore au déménagement avec le camion tout ça. Donc je vais changer de place, je vais aller dans ma chambre. Je vais aller dans ma chambre. Dans quelques secondes. Donc on reprend hein, direct hein, comme ça. Je suis même pas de pause. Le son. Désolé, il était trop fort. Mais... Désolé pour le dérangement avec le média, mais. Je suis chaud là. Mais regardez, je suis en train de défoncer les zombies quoi. On va faire du barbecue de zombies ce soir. Je viole carrément le truc. J'entends tous les défoncer. Ça lag carrément le jeu. Allez, ça lag tellement, il y a tellement de trucs à l'écran. C'est un truc de malade. Oh tiens, 1000. Eh hey, merci mon gars. Après pour la dernière vague, vous inquiétez pas, j'ai utilisé tous mes bonus. Je vais tellement défoncer quoi. Alors au début j'étais inquiet, mais là maintenant je suis retranquille. Et oui, le scorpion humour est de retour. Désolé, j'ai le ok. Le scorpion humour est de retour. En mode tranquille, je suis quand même un peu inquiet, mais bon, c'est bon. C'est bon, on va les défoncer. Par contre, ça me fait peur parce qu'à chaque fois que je dis un truc, ça, il se produit le contraire. Oula, j'ai vu que c'est. Vous voyez la neige là en haut, à droite. Heureusement que ça n'a pas atteint la pelouse. Hein. Attends. Non, il faut que ça atteigne la pelouse pour que les mecs arrivent. D'où il vient lui ? Voilà. Viol ! Le dernier survivant. C'est pas symétrique, mais bon, c'est pas grave. Le champ, mais. Oh, trop cool! Allez, on a fini ce niveau! Ouais, c'est la fête! Mais c'est pas fini. C'est pas fini, encore le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le champ, mais donc. Vous allez voir ce qu'il combine, mais bref. Champignard, plante aquatique qui tire des spores à faible portée. Donc j'ai dit dans un épisode que il y a que deux plantes qui peuvent se planter directement dans l'eau. Donc bon, j'ai oublié les. Enfin, normalement il y en a trois parce qu'il y a aussi les nénuphars, mais les nénuphars ça compte pas, c'est pour planter les trucs. Enfin bref, vous avez compris. Donc il y a les algues et le champignard. Donc le champignard c'est un champignon et qui dit champignon dit la nuit.
Donc ils vont combiner, vous allez voir après, donc des sports faible portée. Donc en fait c'est comme les Michel, sauf que c'est sauf que il faut les planter sur l'eau, donc sur la piscine. C'est l'avant-dernier du monde. Il me reste un monde du toit. Donc. Donc, alors j'ai speedé parce que quand même c'est la fin de l'épisode. Brume. Donc, ils vont combiner. Attendez. Ils vont combiner déjà la piscine, donc l'endroit de l'enfer. Bon, ça va, hein, c'est pas le pire des mondes. Bon, les deux derniers niveaux, ils sont quand même assez durs. Ils vont combiner la piscine, la nuit et en plus du brouillard. Et vous allez voir ce que ça fait le brouillard. Vous allez voir dans le prochain épisode. Donc voilà, je pense que vous avez aimé cet épisode qui était fort en sensation. Tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez la vidéo et au moins 10 likes pour cette frayeur. Hein. Franchement, j'ai failli avoir un game over. Donc voilà, je pense que vous avez aimé cet épisode, cette vidéo. Je vous laisse à toutes.